Coucou guys, welcome to by my channel. Alors, je sais, ça fait longtemps, je me suis pas connectée, ça fait longtemps, j'ai pas mis de vidéo, je sais. Mais les problèmes de la vie. Première tenue, alors c'est pas une tenue, c'est un body qui nous vient de chez ASOS Luxe. Donc voilà comment il se présente. C'est ultra sexy, mais généralement moi je dis quand on est ultra à découvert comme ça vers le haut, il faut couvrir le bas. Donc voilà, c'est ce body avec un décolleté assez plongeant. C'est sexy, c'est glamour. Moi j'aime, du moins je kiffe. Je suis sortie de ma zone de confort. Je ne porte jamais ce genre de choses, mais bon, j'ai voulu essayer. Et franchement, le résultat me plaît énormément. En plus, les manches bouffantes et tout, c'est mon kiff. Ensuite, on a cette ceinture qui nous vient de chez Shein. J'adore. J'ai un pantalon, enfin j'ai mon body, après j'ai un pantalon en bas. Donc pour accessoiriser, pour ajouter un peu du peps, du glamour, pour habiller ma tenue, j'ai mis cette ceinture. Franchement, je kiffe. Voilà. Voilà comment ça se présente, c'est simple. Hein. Tu fais rentrer ta corde et tu resserres la taille. Et c'est parfait. Tu peux porter cette ceinture au-dessus d'une robe droite, d'une jupe droite, d'un pantalon, etc. C'est chicos. Donc voilà. On va passer à la suivante. Tenue suivante, c'est ce petit top. Ok, chic. Pas trop strict, mais joli. Donc voilà comment. Ici, je pense que c'est du côtelé. On a de la popeline ici. Franchement, j'adore. Moi, j'aime bien ce genre de choses qui font pas trop sérieuses, mais qui font également un effet chic, un effet classe. Donc voilà cette petite chemise qui nous vient toujours de chez ASOS. Voilà. Pas derrière comment ça se présente. Il y a un peu un effet bouffon au niveau des manches ici vers le haut. Tout ce que j'aime. Il y a les détails ici comme ça, un peu sexy, ça dévoile, mais pas trop non plus. Ça fait un peu comme, vous savez, le tablier des servantes et tout ça. Moi, je kiffe. À mettre avec un pantalon comme là, j'ai gardé mon pantalon qui est aussi vieux que les temps collants. Donc, j'ai gardé mon pantalon noir par-dessus et je trouve que l'effet noir comme ça, c'est magnifique. Tu peux également casser en mettant un pantalon blanc. Magnifique. Donc, voilà. Tenue suivante. Qui bonki? Ali bonki, yeah. Prochaine tenue. Vous savez que sur ASOS là, il y a beaucoup de revendeurs. Il y a beaucoup de marques, hein, voilà. Vous connaissez aussi mon amour pour les blazers, hein, ça ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à dire, tout le monde le sait, je m'habille en blazer, je ne sais pas où je pars, si c'était dans un bureau, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je suis toujours en blazer. Donc, un jour comme ça, parce que moi quand je m'énerve, hein, quand je suis fâchée et tout, je vais en ligne, je regarde et tout, ça m'aide à me déstresser, à décompresser et tout. Je vais sur ASOS et là je tombe sur un revendeur qui s'appelle Lavish Alice. Je regarde leur blazer, ce n'est pas comme tous les blazers. Regardez mes hauls, vous allez voir tous les blazers Lavish Alice. Franchement, mes enfants, ce n'est pas comme tous les autres. Donc là je porte un blazer Lavish Alice. J'adore la coupe asymétrique, j'adore les détails, j'adore la qualité du tissu, j'adore la fluidité, j'adore la découpe. Il n'y a rien dans ce blazer que je n'aime pas. Il n'y a rien. Franchement, c'est chic. S'il vous plaît, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui se marie, il est temps d'enlever l'esprit de célibat là. Donc, s'il y a quelqu'un qui se marie, même si je ne viens pas presto, pardon, invitez-moi seulement, je vais porter mon blazer, je vais venir à votre mariage seulement pour faire les photos. Pardon, mariez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aller au mariage de quelqu'un. Ah! Bref, donc voilà comment ça se présente. On a une sorte de cape ici sur le côté qui est fluide, qui est magnifique, qui se pose très bien parce que les finitions sont magnifiques. On a le côté asymétrie ici qui est parfait. Et par derrière, on a un nœud, ok, parce qu'il y a une sorte de ceinture ici pour cintrer la taille. Tout ce que j'aime, tout ce que je kiffe, en fait, affiner ma taille. Donc, derrière, ça va faire un nœud comme ça, ça va se présenter comme ça. Que demander de plus au monde? Que demander de plus à Dieu? Merci Jojo. Je t'en prie. Que demander de plus au monde? Que demander de plus à Dieu? Hein? Merci Seigneur d'avoir donné l'intelligence aux gens de créer de telles choses. Un pantalon droit.
une escarpe, un sac. Mon frère, quand je sors dans la rue, la même pour faire pss, tu as peur, tu as que la crampe à la bouche. Donc voilà pour la tenue. La veste me vient de chez Lavish Alice et je l'ai pris en taille S. Tenue suivante. Tenue toujours sur Asos. J'ai pris cette petite robe t-shirt décontractée. Une petite basket blanche, tranquille, les jours où tu ne veux pas t'habiller, mais tu veux quand même, voilà, tu veux quand même avoir du peps, etc. Donc, une petite robe, t-shirt comme ça, Adidas. J'aime, c'est simple, c'est voilà, c'est simple, il n'y a rien à dire, c'est du basique en fait. Mais comme je n'avais pas ce genre de style, etc., donc je dis pourquoi pas, on va essayer. Une petite fente aussi sur le côté, bon bref, vous ne voyez pas, c'est pas grave, imaginez la fente sur le côté. Donc, il n'y a rien à dire sur ça. C'est comme quand tu achètes une chaussure Adidas, voilà, il n'y a rien à dire, c'est beau. Et puis, voilà, ça fait l'affaire pour les jours où on ne veut pas être habillé. En plus, c'est l'été, c'est le rouge, il faut taper à l'œil, il faut porter des couleurs vives. Comme ça, quand on te voit à 4 km, on sait que c'est toi. Donc, voilà. Prochaine tenue, c'est mon coup de cœur de cette commande sur Asos. Je ne sais plus comment s'appelle le magasin, mais je mettrai le lien en barre d'informations. C'est une robe près du corps effet bandage. Vous connaissez le tissu effet bandage. Donc voilà. Dans le bas, elle est évasée. Donc elle tient la taille par là et par ici, ça vient lâcher. J'adore ça. Un petit côté glamour, un petit côté frais. J'aime beaucoup avec une belle mule. Tu portes ça comme tu veux. Mais pas de basket parce que je trouve que la basket ça va. La basket va gaspiller la jolibilité de la robe. Donc vaut mieux mettre une compensée, une talon, une mule, etc. Bref, quelque chose de haut qui va venir structurer la taille, qui va venir te donner un air voilà, charismatique et tout. Vous connaissez l'effet que les talons font quand même. C'est pas moi qui vais vous expliquer ça. Donc voilà, cette robe, j'adore. Je suis pas dessus, elle est très lourde. Heureusement que en France, je ne lave pas la main hein, parce que j'allais laver ça là comment hein? Heureusement, sinon c'est magnifique. J'adore les détails, j'adore les finitions, j'adore le tissu. Vous savez, il y a des trucs effet bandage qu'on achète un peu en ligne. C'est léger, ça taille pas bien, c'est mal découpé, ça baille sur les côtés. Alors que celui-ci, un vrai coup de cœur, un vrai, mais vraiment un vrai. Coup de cœur, il y a un effet ceinturé ici pour structurer, pour mieux affiner la taille. J'adore, il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer dans le dos. Ça me barre un peu mes fesses, mais c'est pas grave. Il y a encore l'étiquette parce qu'au fur et à mesure, je suis en train d'ouvrir les paquets et tout ça. Donc voilà, vous avez mon avis. À chaud, ça fait un peu petite fille, non? Petite gamine et tout. Avec, tu imagines ça, une paire de lunettes comme ça, un carré, frère. Des boucles d'oreilles avec des perles, une belle petite montre, un petit bijou, ton petit sac, ta petite mule, ta petite talon ou encore ton escarpe. Hein. Moi, j'adore les escarpes. Hein. L'opposé a dit qu'on ouvre les boîtes de nuque comme ça là. Faut ouvrir, pardon. On veut sortir. Tenue suivante. Attendez, j'arrange d'abord ma perruque. Je n'ai pas collé la perruque. Vous savez, moi, je colle pas beaucoup mes perruques et tout. Donc, ça, c'est une combinaison. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, que ce soit Snapchat, que ce soit Instagram, vous avez remarqué que depuis un moment, moi qui ne montre jamais mes cuisses, mes jambes et tout, c'est toujours fermé, j'ai commencé à mettre des mini. Il y a eu polémique à cause d'un mini short que j'ai porté, que je vais tout à l'heure essayer. Mais vite fait, hein, parce que B n'aime pas trop. Mais bon. Donc, j'ai décidé de mettre mes jambes à l'air, de dépasser mes complexes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai énormément pris du poids à une certaine période. Et ma peau a lâché, donc elle a craqué au niveau des cuisses. J'ai un peu de vergeture sur le côté et derrière et tout. Donc, ça m'a complexé pendant un moment. Je ne voulais plus mettre mes jambes, mes cuisses dehors. Donc, j'ai décidé de dépasser mes complexes et de m'accepter. Si je ne m'aime pas moi-même, qui m'aimera en fait. Donc l'amour de soi commence par soi-même avant d'aimer les autres ou que les autres t'aiment. Il faut d'abord toi-même t'aimer et tout. Donc j'ai accepté mes vergetures
Et j'essaie toutes les techniques pour les atténuer. Je veux pas qu'elles s'effacent parce que voilà, la colle, la vergeture est là, elle est là. Hein. Tu peux juste l'atténuer, la dégonfler, etc. Donc je suis un traitement en ce moment et j'ai eu la merveilleuse idée de commander cette jolie petite combinaison short. Voilà. Donc elle n'est pas trop courte, elle n'est pas vulgaire. J'adore le détail ici qui fait comme si c'était un blazer et tout, j'aime bien, j'aime toujours à la taille, c'est structuré, il y a un effet comme s'il y avait une ceinture, mais bon, c'est une fausse ceinture. Comme ça va, ça me dérange pas. J'adore la couleur, elle vient de chez Morgan, toujours sur ASOS et je l'ai pris en taille M. Donc voilà ce que ça donne. Surtout que ça me donne de belles fesses, hein, on est d'accord. Donc voilà, le décolleté n'est pas vulgaire, etc. C'est joli, c'est sexy. Écoutez, on n'a qu'une vie, nous ne sommes pas des chats. C'est les chats qui ont cette vie, nous on n'a qu'une seule. Donc profitons, si tu veux mettre ton costume, tu veux mettre ta mini jupe. Pas de maman, pas. Donc c'est ton corps. Donc voilà pour cette combinaison. À porter à souhait, ça va être, tu peux la mettre avec une basket comme tu veux ou avec des talons. Moi, je suis tout le temps perchée parce que j'ai pas de taille. M56, strap-on. Donc, voilà. Donc, voilà. Tenue suivante. Prochaine tenue, c'est ce Bermuda effet cuir, toujours de chez ASOS que j'ai pris. Mais franchement, lorsque je vais mettre le lien ici, il y a des gens qui. Ici, il y a des Mais le ventre à quoi? Pourtant, je viens de manger. C'est quel bruit? Venez me souiller en plein tournage des vidéos. Hein? Oh! Donc, comme je disais, excusez-moi, c'était pause publicité de mon ventre. Donc, c'est un Bermuda qui me vient toujours de chez ASOS, effet cuir. S'il y a des filles, s'il y a des gens qui vont l'aimer et qui voudront commenter, je vous conseille de prendre une taille vraiment au-dessus. Parce que moi, j'ai pris en M et vous voyez comment c'est. C'est serré quoi. Je voulais prendre S parce que les effets cuir, les matières un peu cuir, je préfère prendre S pour que ça me tient bien. Mais là, j'ai pris M et je suis dans cet état. Donc, je vous conseille de prendre une taille vraiment au-dessus de votre taille habituelle. J'adore. J'adore. Il n'y a rien à dire. J'adore ce Bermuda. Je kiffe. Et je crois même que porter avec ce petit top, ça fera peut-être l'affaire. Ça peut faire l'affaire, je me dis. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, je pense que c'est ma dernière pièce de chez. Ah non! Donc voilà pour ce Bermuda. On va passer à la tenue suivante. Donc prochaine tenue, c'est un ensemble. J'avais pas ce genre de. J'avais pas de gilet en fait. Moi c'est blazer ou c'est rien. Donc j'avais pas ce genre et j'ai dit pourquoi pas essayer, voir ce que ça peut donner, etc. Donc je commandais. C'est ma dernière commande de chez ASOS. Donc voilà comment ça se présente. Il y a un pantalon. Il est très très grand. Franchement, pour les filles qui font 1m70, ce sera parfait pour vous. Parce que pour moi, franchement, il y a du tissu en bas. Donc, vu que j'adore la couleur, j'adore la coupe, j'adore l'effet, moi je vais ceinturer un peu ici avec une ceinture voilà, pour affiner la taille. Sinon, quoique même porter ouvert, etc. Bref, je pourrais voir comment. Je vais voir comment je vais le porter parce que j'adore la couleur, j'adore la matière, j'adore le tissu et tout. C'est tout ce que j'aime. Donc, c'est avec son pantalon comme ça. Voilà. On peut porter ouvert, mais comme je n'ai pas de soutien ou de petit top en bas, je ne préfère pas. Hein. On n'est pas là pour montrer la marchandise. Donc, voilà comment ça se présente. J'ai rien à dire sur cet ensemble. La qualité, j'aime. J'aime un peu effet épaulette ici pour structurer les épaules et tout, donner une carrure, un certain charisme. Donc, je n'ai rien à redire, j'adore. Donc, voilà, c'était ma dernière tenue à ASOS. Nous allons passer à Zara. Chez Zara, on a ce pantalon. Vous le savez, je l'ai en bleu ciel, je l'ai en bleu ciel, mais je le voulais en noir et en rouge aussi. Le rouge, je ne l'ai pas encore reçu, mais le noir, il est déjà là. Voilà comment il se présente. C'est ceinturé à la taille. Vous l'avez sûr, certainement vu un peu partout. Hein. C'est un pantalon qui est là depuis l'été passé, depuis 2 ou 3 ans déjà. Donc, je le voulais. Sauf que celui que j'avais pris en bleu marine, c'était en ensemble, mais j'avais pris le M. Et le M était. Ça dansait, tu vois. C'était un peu oversize et tout.
J'aime pas trop les styles oversize. Moi, je voulais, voilà, je voulais quelque chose qui me colle un peu à la peau et tout. Et j'ai dit, bon, je vais essayer S et on verra si S ça rentre ou pas. Donc, j'ai commandé S et c'est la taille parfaite. Parfaite. C'est pas trop serré, c'est pas trop ample non plus. C'est le juste milieu. Je kiffe ce pantalon. Il est très chic, il est très classe. Tu portes ça, tu peux l'habiller en décontracté, en chicoste. Enfin, tu en fais ce que tu veux. C'est un incontournable d'un dressing en fait. Il faut à tout prix l'avoir dans votre dressing. Donc, moi, voilà comment il se présente. Voilà comment je l'ai porté. Comme j'ai pas un petit top là. Comme j'ai pas un petit top, donc je l'ai essayé avec mon petit chemin. Je l'ai essayé avec mon petit haut de chez ASOS. Et même l'assemblage, ça va. Donc voilà. Tenue suivante. En tenue suivante, on a ce short là qui a fait polémique. C'était trop court, mais en fait c'était à l'air. Bref, il y a eu beaucoup de commentaires. Donc c'est celui-ci. Je ne vais pas l'essayer parce que voilà. Je porterai une autre fois, mais pas aujourd'hui. Mais j'adore. C'est une jupe culotte. Donc par devant, tu as l'effet jupe. Et à l'intérieur, c'est un short en fait. Il est trop beau. Moi, il m'arrive au-dessus de l'ombril. Donc, je pourrais dire qu'il est taille haute. Mais il est assez court. Si vous n'aimez pas montrer trop de chair, je vous conseille vraiment pas ça. Je vous conseille vraiment pas ça. Maintenant, après, si vous êtes à l'aise avec votre corps, vous avez envie de montrer vos jambes, vous avez envie de montrer vos cuisses, foncez les filles. Mais il est très très beau. J'adore la coupe, j'adore les finitions, j'adore la structure. Ça baille pas trop autour de la taille. Du moins chez moi, ça baille pas trop. C'est ce que je kiffe, c'est ce que j'aime chez Zara. Il y a des jours, franchement, ils font du bon travail. Donc on va passer à la tenue suivante. Tenue suivante, nous avons encore un gilet assez lent. Ok, il arrive au niveau de juste légèrement au-dessus de mon genou. Lorsque ma commande ASOS est arrivée, j'avais regardé, comment on appelle ça, le gilet vert que j'ai porté tout à l'heure. J'ai dit, mais pourquoi ne pas l'avoir en noir? Et quand je suis allée en magasin Zara, j'ai vu celui-ci, j'ai dit, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Hein? On va essayer, ça crépite et ça crépita, la Johnson's de ça. J'aime trop la tata là. Donc voilà, c'est un gilet structuré à la taille. Donc ça a une ceinture, ça a une sorte de ceinture. Tu ceintures ça comme tu veux. Tu peux le faire par l'arrière, comme tu peux ramener. Tu peux le nouer par devant. C'est un basique aussi. Moi, je trouve que c'est un basique à avoir. Tu peux mettre un body ou un top vraiment fin en dessous si tu veux pas montrer trop de chair. Et si tu m'en foutisme comme moi, tu vas le porter comme ça. Il y a quoi même? C'est vrai qu'on nous a pas donné les mamelons. Mais quand même, on met aussi dehors. Il n'y a pas que les gros nénés qui peuvent exposer. Moi aussi, même si c'est petit, on expose. Donc voilà comment il se présente. J'adore. C'est chic, c'est glam. C'est tout ce que j'aime. C'est sophistiqué. Donc voilà, il me vient de chez Zara et je l'ai pris en taille S. Si tu veux que ça soit près du corps, prends la taille S. Enfin, si tu fais du S, prends du S. Maintenant, si tu veux que ça soit oversize, tu peux prendre du M. Mais moi, j'ai pris S et tu vois qu'il y a encore un peu, ça baille un peu. Donc, si j'aurais pris M, bonjour la flottance, hein? Bonjour la nageance. Mais voilà, voilà comme ça se présente. Par derrière. Pour l'été, là, c'est bien. Il y a de l'air qui passe et tout. Voilà, on a aéré. Tenue suivante. Alors, tenue suivante, je ne peux pas l'essayer parce que je n'ai pas de soutien. Ok, j'ai pas de soutien à portée de main. Donc, c'est un petit chemisier, une petite blouse comme ça. J'adore la couleur. Je voulais le porter spécialement avec le petit shorty blanc. Donc, j'ai pris pour porter ça avec le shorty blanc. J'adore la couleur. J'adore le drapé ici devant. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à dire. Hein. Je ferai une photo et vous le verrez sur Instagram avec... Franchement, il peut être chic. En plus, tu peux nouer ici autour du cou. J'adore. Même mes chemises, généralement, je les ferme jusqu'ici parce que voilà, je trouve que ça me fait un effet chic, glamour, hautaine, quoi que ce soit. Tout ce que vous avez envie de penser. Moi je kiffe, etc. Ça m'ajoute une petite identité, un petit truc. Voilà, donc c'est une blouse simple. Et c'est drapé sur les manches comme ça. C'est tout ce qu'il y a de joli.
tout ce qui est simple et tout ce qui a de joli. Tenue suivante, toujours de chez Zara, c'est un ensemble. Désolée si le tissu est froissé, j'ai pas eu le temps de repasser avant de faire le haul. Donc ça s'est froissé dans la valise et tout. Voilà, j'ai pas rangé quoi. Donc désolée si certains tissus semblent froissés. Ok, alright, il y a encore les étiquettes et tout. Donc pour que vous compreniez que voilà, maman n'a pas eu le temps de faire le repassage. Hein? Pandira n'a pas eu le temps. Donc, désolé encore pour ce désagrément visuel. C'est un ensemble chicose, comme j'aime. Les formes sont mises en valeur. Moi qui ne porte presque jamais des jupes, je suis émerveillée par cette jupe, par le drapé. Il y a un détail sur le côté, un petit drapé sur le côté que je kiffe. J'adore le top, ce petit chemisier. Il y a un élastique, j'adore cet ensemble, je kiffe. La jupe a une fente sur le côté ici, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça, c'est sexy. Ça dévoile, mais pas trop, j'adore. Franchement, en venant en France, comme je vous l'avais dit, ma couleur préférée de base, c'est le noir. Je suis tout le temps habillée en noir. Mais en venant en France, j'ai dit, je vais tester des couleurs. Je vais essayer, je suis tombée amoureuse du blanc. Je ne sais pas combien de blazers blancs je possède maintenant. Tellement je suis tombée amoureuse des pantalons blancs. Je suis tombée amoureuse des hauts blancs. J'adore le blanc. Et cet ensemble, franchement, un gros kiff. Si c'est encore disponible sur le site, franchement, allez-y, prenez quoi. Mes enfants, je kiffe. Passons à la tenue suivante. La robe là, c'est mon deuil en ce moment. Je n'ai que ça partout sur Snapchat, je n'ai que ça. Mais je me devais de vous montrer parce qu'elle est trop magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. La couleur, le vert, il est beau. Vert fluo et tout, j'adore. C'est simple. C'est basique, c'est simple. Mais moi, je kiffe. Les jours où tu ne veux pas t'habiller, tu ne sais pas quoi te mettre, tu n'as pas envie, enfin, tu veux juste mettre quelque chose. Voilà, qui va te faire paraître femme, tu vois, tranquille, au calme. Tu ne veux pas te prendre la tête. Voilà, c'est dans ces occasions que ce genre de robe rentre. Voilà pourquoi c'est nécessaire dans son dressing. Donc, je l'ai pris. Juste petite erreur sur la taille. Moi, j'avais pris M parce que j'ai pris, je suis actuellement en bas. En pantalon, je prends 38, jupe 38, haut 36. Et certains, quand je veux que ça soit un peu fluide, je prends 38, mais je suis entre le 36 et le 38 parce que je suis petite en haut et volumineuse vers le bas. Donc j'ai pris en 38, mais c'est grand. Je trouve que c'est, il y a trop de tissu, il y a trop de, voilà, il y a trop de tissu. Si j'aurais pris en S, là je l'ai commandé en S. Vous voyez la psychopathe? J'ai commandé ça en S. Tu vois un peu le genre? Donc voilà, il y a une petite fente ici pour faire un effet sexy, toujours même dans la simplicité. Donc voilà. Suivant. Article suivant sur ce sac que je vois partout sur Instagram. Vous voyez les étiquettes, je n'ai rien déballé. Vraiment, j'ouvre ça à chaud en fait. Je découvre certaines pièces devant vous. Donc ça c'est, comment on appelle ça? Je l'ai beaucoup vu sur Instagram. Et une fois, je suis allée à Zara, je ne sais plus, opéra, un truc comme ça. Bref, quelque part là-bas. Et puis, je l'ai vu. Bon, après, j'ai dit une autre fois, je viens d'entreprendre et tout. Après, j'ai vu ça avec une fille sur les champs. Et là, le sac là, comme ça, comme elle était habillée, j'ai vu ça. J'ai dit que, ok, je vais aller chercher. Je n'ai pas à Zara qui est à côté de chez moi là-bas, il n'y a pas. Il y a le noir. Je fais quoi avec le noir? Donc, je suis allée dans un Zara là pour chercher la tenue d'anniversaire de mon Jojo. Et j'ai trouvé ça là-bas. J'ai dit que mon... Arrêtez de parler quand je suis en train de faire mon haut. Arrête. Tu as mangé. En plus des frites. C'est gras. Ça devait te calmer. Donc, voilà. Donc, c'est ce petit sac chic. Voilà. Pas encombrant. Le nécessaire rentre. Ta carte de crédit, ton téléphone, ton fond de teint, ton pinceau. Pour te repoudrer, voilà, ta petite brosse vraiment fine pour brosser de temps en temps les extensions si tu as le tissage ou les cheveux ou que ce soit. Bref, le minimum rentre à l'intérieur. Dernière tenue Zara, ça c'est mon cadeau de fête des mères offert par mon loulou, mon chéri, par mon bébé Jojo le comédien. Merci, franchement, on peut dire qu'il connaît,
il connaît sa collaboratrice parce qu'il a très bien choisi. J'adore, c'est vraiment, il n'y a pas de mots parce que si je commence à parler, je vais pleurer. Je suis d'une sensibilité à outrance. Donc voilà, ça c'est mon cadeau de fête de mère de chez Zara. C'est un ensemble, franchement, c'est magnifique. J'adore le tissu, j'adore la coupe, j'adore le pantalon. C'est un pantalon cigare près du corps qui donne des belles formes. Pareil, le décolleté ici, il est magnifique. Que dire? Les mots me manquent. J'aime et c'est là que prend fin les commandes de chez Zara. Cette chemise, je l'ai prise sur Zalando. Donc, c'est une chemise Ralph Lauren. J'adore. Je l'ai prise parce que mon papa en a une. Je dis, je voulais avoir une même chemise que mon Dali. Donc, voilà, je l'ai prise. J'adore. En plus, je pense que ma mère l'a, mais en... Le bleu, il est différent. Le bleu, il est plutôt plus clair. Donc voilà, je voulais une petite chemise Ralph Lauren comme ça, au calme, c'est posé avec un jean, des baskets, une escarpe, hein. Bref. La chemise elle-même, elle habille déjà. Donc, il n'y a rien à dire sur Ralph Lauren. On connaît leurs produits, on adore l'efficacité. Ils n'ont plus rien à prouver. La dernière pièce, toujours de chez Zalando. Donc, chez Ralph Lauren, j'ai pris deux chemises et tout. Donc j'ai pris cette couleur là que vous avez peut-être vu sur Instagram ou sur Snapchat. Je l'ai porté avec le petit shorty blanc de chez Zara. Donc voilà comment ça se présente. C'est simple, c'est efficace, il n'y a rien à dire. J'adore la coupe, j'adore la matière, elle est légère et tout. Donc voilà, même si on est en été, tu peux la mettre, elle tient pas à chaud en fait. J'adore, c'est simple, c'est léger, c'est efficace. Quoi dire de plus? Chez Zalando, j'ai pris ce sac blanc. Vous le voyez en ce moment, je suis en train de le tuer, de l'assassiner. C'est ce sac qui vient de chez Aldo. Je l'ai pris sur Zalando. Je vais vous montrer comment il se présente. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Notre haul tire à sa fin. J'espère que vous avez aimé les pièces qui ont été présentées. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Inch'Allah, on va évoluer ensemble. On est en train de débuter, c'est pas facile. Donc il y a le décor, il y a ceci qui ne va pas peut-être. Bref, tout ce que je peux dire, c'est qu'on va évoluer avec le temps. Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les pièces. J'espère que je vous ai inspiré. Et quoi, qu'est-ce dire de plus? N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, donner votre avis, vos impressions, etc. Je mettrai les liens de tous les vêtements en barre d'informations pour celles qui voudront, voilà, s'acheter les mêmes, ça ne me dérange pas. Donc, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée, une bonne journée si vous regardez la vidéo en cours de journée, dans la paix et dans la grâce.